y a les complications habituelles de la chirurgie, comme a décrit madame. Il y a toujours des risques d'infection, il y a des risques d'asymétrie, il y a des risques d'hématome, et il y a aussi des risques vitaux. C'est-à-dire que le lipofilling des fesses, ce n'est pas un soin du corps. C'est une intervention qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux, et il faut bien y réfléchir avant de la faire. Ça demande de la maturité, ça demande de la réflexion avant une intervention, et il ne faut sûrement pas le faire juste pour céder à un caprice. Maintenant, de quoi on meurt dans une injection de graisse dans les fesses ? Essentiellement d'une embolie graisseuse, c'est-à-dire que si on injecte de la graisse dans un gros vaisseau, dans le muscle, eh bien, la graisse peut aller dans la circulation générale, boucher le poumon, et on peut en mourir. D'ailleurs, il faut savoir que cette intervention est interdite en Angleterre. Donc ça donne quand même le niveau. Oui, d'accord. Et quand je vous disais que tout à l'heure, en France, c'est pas très pratiqué, parce qu'on est quand même très au courant des risques et de l'intérêt relatif ça commence à être pratiqué de cette intervention. Plus en plus, hein. C'était pas en France. D'accord. Oui. Ah oui, oui, vous voulez faire ailleurs, mais bon, vous êtes français, c'est-à-dire que les Français, les Français vont le faire à l'étranger, c'est ça aussi. Malheureusement. Vous parlez, en 10 ans, 25 personnes sont mortes en Floride à la suite d'une intervention de BBL. On cause souvent des chirurgiens véreux qui prennent beaucoup moins cher, mais qui ne respectent pas toutes les règles. Regardez. En 10 ans, 25 patientes sont mortes en Floride à la suite d'une opération de BBL. Chandrania avait 33 ans et vivait au Texas. Pour l'opération, comme beaucoup d'autres Américaines, elle choisit un médecin basé à Miami. BBL, opération BBL tout compris, dans une clinique qui propose des prix 35% moins chers que celle de Viviana. Elle était en blouse d'hôpital, elle lui a montré la pièce où elle se trouvait et ça n'avait pas l'air d'être stérilisé. Ça ne ressemblait pas du tout à un hôpital. Mais au bout d'une heure, Chandrania se serait retrouvée en arrêt cardiaque. Le médecin aurait lacéré son foie pendant la liposuccion. Ah oui, incroyable, hein, ces images dans 7 à 8, oui, Gilles. Oui, docteur Cyril évoquait la dangerosité. J'ai lu un mort pour 3000 interventions, ce qui est un taux incroyable. J'ai vu ça dans une revue scientifique, je ne sais pas si vous confirmez. Ma question, elle est simple. Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas cette opération si dangereuse ? C'est ce que je dis, effectivement. C'est une intervention dont il faut toujours calculer le bénéfice-risque. Et moi, je trouve que cette intervention, elle est extrêmement risquée. Les Anglais ne sont pas plus bêtes que nous. Et s'ils l'ont interdit, c'est que réellement, le danger existe. Bien sûr, faites dans des conditions strictes de chirurgie, dans un vrai bloc opératoire, pas dans une arrière-cuisine, avec un anesthésiste réanimateur de qualité, avec de quoi assumer n'importe quelle complication. C'est une intervention que l'on peut faire, qui est faite, mais aucune intervention n'est sans risque. Et donc celle-là est particulièrement problématique.